pour la déco de ces paniers, on a besoin de la peinture acrylique, du papier qu'on va mettre sur le fond, qu'on va coller avec du vernis colle. J'ai fait la recherche des pochoirs à l'ordinateur et je l'ai imprimé sur du papier cartonné. De la neige structurée, du scotch et naturellement des outils comme spatule, cutter, toujours petit bricole pour bien travailler. On va préparer la couleur de fond qui va être carrément foncée et bien diluée avec de l'eau. C'était parti, on n'a pas besoin de la travailler, il y aura les papiers après, mais on va bien sur les bords. On n'a pas besoin vraiment de tout recouvrir cette fois. Voilà les résultats, je suis très contente et maintenant on commence à travailler sur les pochoirs que j'ai coupé avec beaucoup de patience hier soir. Toujours j'ai mis du scotch que d'un seul côté pour pouvoir vérifier et par contre dans ces cas il faut rajouter des petits morceaux de scotch double face pour avoir vraiment un bon résultat.
J'ai gardé les centres des lettres. Je vais mettre du scotch double face avant les couper. Ça va être beaucoup plus facile. Maintenant, je vais prendre la neige. Si vous voulez bien la conserver, on a le papier transparent de cuisine. N'hésitez pas à appuyer bien vers le pochoir pour le faire bien rentrer dans l'espace qui regarde les lettres. On va récupérer la neige. On va arranger un petit peu les lettres avec un coure-dent. On laisse bien sécher et on peut couper les étoiles.
en attendant l'essèchage de la neige structurée, je profite pour commencer à coller mon papier avec du vernis colle. Vu que le papier c'est un petit peu épais, n'hésitez pas à vraiment beaucoup imbiber le bois et les papiers aussi après. Le panier il est fini, vous pouvez les vernir pour bien les protéger. Et surtout, à bientôt pour d'autres tutos avec Arobi. Ciao ciao!